Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit amplificateur. C'est à base d'un LM386N-1-1, ça veut dire que c'est pour les haut-parleurs de 8 ohms. Donc, c'est un 8 ohms, c'est un petit haut-parleur de 2 watts. Je le plug ici, à mon iPod. Donc, vous voyez ici un potentiomètre avec une knob que j'ai mis. On peut régler le volume de l'amplificateur ici. Ici, j'ai mis un terminal bloc pour mettre une batterie ici. Elle est une batterie 9 volts. Donc, je connecte ma batterie. À LED verte de 10 000 mètres allume. Donc, ici, j'ai mis tout le condensateur, 220 microfarads ici, un 10 microfarads. Des petits condensateurs de filtrage pour que le son sorte bien quand même. Je peux toujours ajuster le son sur mon iPod. Puis voir le setting, le meilleur setting possible. Quand même, il y a quand même un bon son. Ici, mon haut-parleur. Ici, j'ai mis un header ici, un mol. Donc, j'ai soudé deux fils sur mon haut-parleur. J'ai mis sur un jumper, un connecteur, qui va dans le header. Qu'on mette ce côté-là ou l'autre côté, ça change pas. Donc, quand je le plug, on entend ici. Puis, on peut régler le volume ici. C'est quand même un bon son, là. C'est quand même pratique, parce que c'est quand même longtemps que je l'ai dans le son. Donc, maintenant, c'est fait. Et je suis bien content. Là. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Et je vous invite à laisser des commentaires. Merci, à la prochaine pour d'autres vidéos.